Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer la sarabande de Georg Friedrich Händel. Donc, c'est l'un des plus importants compositeurs baroques du XVIIIe siècle. Donc, et une sarabande, c'est une danse ancienne. Comme vous le savez, nous travaillons en ce moment pas mal de danses anciennes. Donc, notamment, juste au cours précédent, nous avons fait aussi une gavotte de Weiss. Donc, nous continuons sur cette lancée. On y va tout de suite. Donc, nous allons déchiffrer la première partie de cette sarabande. Nous avons deux dièses à la clé, fa dièse, do dièse. Et donc, notre mesure, ça sera 3, 2. Comme vous le voyez, ça voudrait dire que nous avons 3 blanches par mesure. Et effectivement, c'est pas courant, mais ça ne change pas grand-chose. Nous allons quand même diviser un petit peu notre rythme pour bien comprendre la structure de la pièce et pour savoir justement bien compter tout ça. On y va, donc première blanche, et nous allons travailler, oui, c'est très important, beaucoup d'accords ici et pas mal de barrés. Donc c'est vraiment une pièce en fait complètement différente de notre cours précédent. On ne travaillait pas du tout ce genre de choses. On y va, donc, ouais, il y a plein d'accords, je regarde la partition, c'est clair. Hein. Allez, premier accord, première mesure, fa dièse, do dièse à la clé, la basse ré. Troisième doigt et fa dièse deuxième. Ça fait donc pouce, index et majeur pincé pour la main droite. 1, 2 et on rajoute pour l'accord suivant juste un petit là au-dessus et on arpège. Tout le monde ne fait pas ça, ce n'est pas non plus marqué. Moi je le fais comme ça. Il y a beaucoup de musiciens qui font un petit peu de cette façon-là, mais c'est à vous de voir. Je trouve qu'un accord plaqué suivi d'un accord arpégé, ça fait aussi joli, mais tout dépend de la pièce. Évidemment, je ne le fais pas tout le temps. Ça n'a pas de sens. Mais là, je trouve que c'est joli. Donc, à vous de voir où est-ce que vous voulez placer ces accords arpégés. Ça peut donner justement un peu de largeur à cette pièce-là. Évidemment, je crois que je le fais aussi dans le travail, dans le tempo long, aussi avec le métronome. Donc, écoutez bien, c'est plusieurs versions. Et je ne le fais pas aussi à chaque fois pareil. Donc, à vous de faire la vôtre surtout. Allez, on recommence encore une fois. Ré, ré, fa dièse. 1, 2. Suivi. 1, 2. Ensuite, on coupe. Mais c'est surtout qu'on s'occupe déjà à l'avance de mettre le barré 2. Donc, ça coupe tout seul. On va dire ça comme ça. Et juste le pouce, à la limite, à mettre sur le ré. Et c'est encore pas très important. Le but, c'est surtout placer tout de suite barré 2. Avec donc Lucie sur la cinquième corde, deuxième case dans le barré. Si avec troisième doigt, troisième corde. Ré avec deuxième doigt. Et fa dièse dans la première corde et les dans le barré. Attention, donc après, on ne bouge pas le barré. Et on attaque directement la mesure suivante, la numéro 2, dans le même barré. Donc, regardez, hop, on déplace juste le quatrième doigt et le deuxième. Le reste ne bouge pas. Donc, sol, deuxième doigt, mi, quatrième, si et mi sur la quatrième corde, deuxième case. Deux temps, après. Voilà, là, vous pouvez relâcher un peu si vous voulez, parce que ça ne sert plus à grand-chose. C'est le même accord, c'est sauf la basse qui change. Là, vous pouvez aussi arpéger. À vous de voir. Après, nous avons un silence d'un temps. Suivi d'un autre barré, donc grand barré aussi, mais encore plus grand avec 6 cordes pour attraper fa dièse. Et le ré, troisième doigt, fa dièse donc dans le barré, ré, troisième doigt, la dans le barré, fa dièse grave dans le barré. Voilà, le barré il est un peu bizarre, mais ça vous donne de la force parce que vous pouvez mettre deux doigts dessus. Et le ré, donc c'est important de l'appuyer avec troisième doigt, hein. Vous allez voir. Mesure suivante, justement. On glisse troisième doigt du ré au do dièse et on place la deuxième doigt. Tout ça pour ça. Deux temps, suivi d'un barré 2. Facile, donc la basse là. La troisième corde, do dièse dans le barré. Et le la quatrième doigt. 1, 2, on coupe. Donc un silence d'un temps, suivi toujours dans le barré. Juste un petit sol en plus, suivi dans l'accord de ré majeur, fa dièse, ré deuxième doigt, la et ré. Donc ça fait 1, 2, le même accord, mais là vous pouvez aussi le faire avec quatrième doigt comme c'est marqué, c'est-à-dire vous allez là,
d'accord, ou sinon vous le faites à vide, suivi d'un do dièse. Là, vous relâchez le barré pour monter le premier doigt sur la cinquième corde, premier doigt là, justement, et un la. Il y a pas mal de choses déjà à faire dans la première ligne. Revoyez votre vidéo si c'est nécessaire. Comme vous le savez, vous pouvez le faire une bonne santé deux fois, 200 fois si vous voulez, si ça ne marche pas. Donc voilà, attention. Donc là, voilà, deuxième ligne. Un étirement assez intéressant. Donc vous allez attraper le si sur la septième case, quatrième doigt, avec un sol grave, d'accord. Voilà. Et au milieu, vous allez mettre deux cordes à vide, sol et si. Vous relâchez pas le si, vous rajoutez juste un peu tiré, sol dans la basse, attention c'est du rond donc vous laissez sonner, un peu tiré là et le si ça fait 2, 1, 2, do dièse tout seul, vous pouvez vibrer suivi d'un ré et mi, donc pour le petit rappel, pour ceux qui n'ont pas appris les cases, donc ré dixième case, première corde, mi, douzième case, première corde. Qu'on glisse ensuite sur la, ici, juste un petit la, cinquième case. Donc, ça fait ça, d'accord. La, mi, troisième doigt au-dessus, sur la deuxième corde, avec une basse sol, troisième corde, comme ça. Deuxième accord, la, ré et fa dièse. Celui-là, il est bien quand on l'arpège. Ça fait détente. Tension. Détente. Plus piano. La suite. Ré. Et le ré aigu. Quatrième doigt. On revient au début du manche. Pas de la pièce. On revient ici. Donc, ré sur la dixième case. Hein, pour le rappel. Et fa dièse ré. Comme ça. Oh non, c'est troisième doigt de préférence. C'est possible de faire deuxième, mais bon. Plutôt troisième doigt pour le ré. Parce qu'il faut le faire sonner un peu. Donc la basse, la, ré, troisième doigt, fa dièse, suivi d'un mi, après fa dièse, ici, et le sol dans les graves, sans relâcher notre ré, parce qu'on va le jouer juste après, d'accord, ça fait ré avec le si, quatrième doigt, suivi de basse, la, la, sur la troisième corde, le ré qu'on n'a toujours pas relâché, avec un mi, hop, on relâche, là on n'a pas le choix, il faut que ça soit tout fait en douceur et la légèreté, n'est-ce pas? Ré, do dièse sur la troisième corde, sixième case et le sol, quatrième corde, cinquième case. Qu'on glisse comme ça, d'accord, et on rajoute le quatrième doigt sur la cinquième corde. Je refais ce passage. Hein. Donc, c'est la mesure 3, deuxième portée. La et ré, d'accord. Voilà, on continue directement au troisième portée. C'est la même chose comme au début. 2, 1, 2, ça c'est donc si, ré et fa dièse. C'est pas tout à fait le même accord qu'au début. Enfin, il y a une note qui manque. Deuxième mesure, mi, fa dièse, si et mi. Puis on glisse fa dièse comme ça, hop, au sol. Et on rajoute basse, mi, si, mi, et le sol, il est déjà là. 2, on coupe, barré 2, grand barré. Attention, les croches dans les basses. Donc on pose le troisième doigt sur le ré, suivi d'un la, d'un sol. Et le la justement après. Donc ça fait dans les basses, fa, sol, la. C'est très important de les faire ressortir. Et là, donc cet accord-là que je viens de faire, c'est le début de la troisième mesure. Troisième mesure. Si, barré, demi-barré, 2, avec un petit la, coupé. Sol, troisième doigt, toujours dans le barré. On rajoute un barré, deuxième doigt, dernière mesure, troisième portée, fa dièse. Hop, là, vous pouvez relâcher. Comme ça, je refais cette mesure hein, encore une fois, sol, fa dièse.
bas, d'accord, pour attraper bien le do dièse et le mi. Après si ré et la do dièse. Et là, on passe à la quatrième portée, pareil en étirement, comme tout à l'heure. Vous pouvez vibrer un peu, suivi d'un ré et mi, hop, enfin, on fait pas un vrai, un énorme glissando, mais il faut que ça soit léger, donc la, mi et sol, ça c'est deuxième mesure, la, ré dièse et fa dièse, ça c'est la tension, détente, détente, ré, dans les basses, ré aigu, et on repart encore une fois sur fa dièse. Donc troisième mesure, quatrième portée, fa dièse, ré avec la basse là. Suivi d'un, comme tout à l'heure, hein, fa dièse ici. Sol grave, deuxième doigt, le ré on lâche pas. Hop. Et ronde, 2, 3, 4. Donc là, c'est vraiment exactement la même chose que la deuxième portée de cette page, d'accord. Donc à vous de bien regarder les doigtés, bien mettre tout ça en place. Donc le tempo long est évidemment est très conseillé. Il y a beaucoup de choses en fait à mettre en place ici, je trouve. Mais d'abord, c'est une pièce très très belle. Donc travaillez bien et on se voit rapidement. Salut, salut.